Salut les amis, c'est du hasard, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo découverte. Cette fois-ci, on va découvrir ensemble Call of Duty Black Ops Cold War sur Xbox Series X. Donc je vous en avais fait une vidéo découverte sur la version PS4 Pro. Et ici donc j'ai reçu ma version Xbox Series X. On va découvrir ça ensemble. En tout cas, rien qu'à l'écran titre ici, c'est déjà beaucoup plus fluide. C'est incroyable. Allez, on va lancer. Il y avait une mise à jour énorme, 145 gigas. Avez-vous activé le contenu graphique? Oui. Tracing, oui, et là c'est bon. Luminosité jusqu'à ce que l'eau jusqu'à cacher le logo dans le carré. Voilà, comme ça, ouais, c'est bon. Alors, on va donc faire la découverte du mode campagne et je vous ferai bien entendu des vidéos sur les modes zombies et sans doute sur le mode multi aussi. Tech. Donc on va se mettre en deuxième classe. Il nous faut prendre conscience qu'aucun arsenal ni aucune arme au monde n'est aussi formidable que la volonté et le courage moral des hommes. C'est une arme que nos adversaires d'aujourd'hui n'ont pas. Que les choses soient bien claires pour tous les terroristes qui s'en prennent à leur place. Des analystes des renseignements américains pensent que les États-Unis sont déjà en guerre avec l'Union soviétique. Des espions soviétiques vivent-ils parmi nous? 52 citoyens américains ont été pris en otage à l'ambassade américaine de Téhéran. D'après une source anonyme officielle de la Maison Blanche, un cataclysme de la guerre froide est à nos portes. Monsieur le Président, nous avons deux noms en lien avec la prise d'otage. Arash Kelivar et Kassim Jamani. L'ordre vous revient. Il est temps d'envoyer un message. Il n'y aura plus d'otages. T'es sûr qu'on peut faire confiance à la police, Adler? Ce type a fait plus pour moins que ça. Il va fermer les yeux. Adler? Ravi de vous voir, Hans. Vous connaissez Mason? On va pouvoir donner l'assaut. Kassim est dans son logement, mais il est bien protégé. Je peux tenir mes hommes hors de la zone pendant un quart d'heure. J'espère que vous avez une armée. On a ce qu'il faut. C'est un plaisir de traiter avec vous, Hans. Allez, Woods est pressé de s'échauffer. On ne peut pas le décevoir. Leur fils, Brut. Ne faisons pas attendre, Cassim. Hey, Mason. Les petits cadeaux sont dans le coffre.
Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Le MP5, je pense, ouais. Il doit sûrement se croire à l'abri. Ce connard est un paquet de choses. Mais il est sûrement pas à l'abri. Il faut vraiment qu'on prenne ce salopard en vie, Abner. Kassim a des infos. Mais les autres, on peut les abattre. L'appartement est droit devant. Hans nous a gratté un quart d'heure. Il faut qu'on frappe Kassim vite et bien. Allez. On va leur souhaiter une bonne année. Allume-les, Mason. Go, go, go! Quand même mieux géré ici que sur ma partie en PS4. Hein. Oh merde, il fallait pas tuer, c'est juste. Moi je suis là que je tire dessus. Ouais. Go, go. Pas facile de tirer quand on a un bouclier. Ah oh putain, mais j'étais à couvert là quand même. Je pouvais pas aller plus sur la gauche. C'est incredible. Hein. Oh putain! Quand même chaud, hein.
2 heures pour recharger le truc. On peut s'arranger. Paf! Il en a perdu ce beret, quoi. Excellent, franchement, le visage super bien fait. Je m'occupe que de l'argent. Je sais pas du tout, RH. Je crois que tu comprends mal la situation. Les Américains ont des lois. Vous avez des lois. T'as pris des otages. Ça change tout. Non. Il est en Turquie. Il est à rendez-vous à l'aérodrome de Trabzon. Demain soir. Je vous jure, j'en sais rien. Il communique seulement par message codé. Un moins, plus qu'un. Je me fais le prochain. Hudson, Arash et Trabzon en Turquie. Ah bah il y avait un défi, il fallait le pousser, donc voilà, ça c'est fait. On peut oublier Kassim. Quand est-ce qu'on mettra la main sur Arash ? L'équipe est arrivée en Turquie il y a quelques heures. Il devrait bientôt être en position. L'aérodrome est droit devant. On va trouver cet enfoiré. On doit d'abord identifier Arash avant que ça tourne mal. Mason, jette un œil. Le louper la fois passée aussi, pourtant je sais lui que je lui dis ça. Mais bon, c'est dans le scénario.
Ah merde, c'est un coéquipier là, imbécile. Qu'est-ce qu'il fout là déjà là-bas? Putain, il a bien été vite lui. Il a mis plus de temps que ça dans la version PS4, il me semble. Passé, j'ai mis plus de temps à tuer les ennemis pour allez. C'est pas terminé, mais ça ne s'en laisse pas. Accélérer et diriger, ok. Oh putain, j'ai passé sous la roue de la Jeep. Merdouille. Allez. De lui tirer dedans. Wow. Oh, oh, oh. Nom de Dieu. C'est excellent. Un petit succès nulle part où aller. Les informations relatives au projet Manhattan sont dérobées à Los Alamos par l'espion russe surnommé Perseus. 1968, guerre du Vietnam. Les soldats Vietcong à la solde de Perseus tentent de voler une bombe nucléaire américaine en infiltrant une base. Il y a 5 jours, lors d'une mission, nous avons découvert que Perseus était de retour et prêt à attaquer l'Occident. Perseus, les analystes de la CIA le considèrent comme la plus grande menace au monde. Monsieur Hudson, on connaît tous ce Perseus. Mais on sait qu'il tient plus de la légende. En fait, personnellement, je crois qu'il s'agit plutôt
du croque-mitaine des Russes. Général Haig, laissez-moi vous présenter l'homme le plus à même de vous répondre. L'officier des services secrets de la CIA, Russell Adler. Il est l'une des rares personnes à avoir failli capturer Perseus. Monsieur Adler, pourquoi faudrait-il prendre la menace de ce Perseus au sérieux ? Pas besoin, monsieur. Ouais, il y a un paquet d'innocents qui vont mourir. Pourquoi dites-vous ça ? Monsieur, chaque fois que Perseus est entré en jeu, l'équilibre de la guerre froide a basculé. Après 13 années de silence, c'est détectif. Quelque chose de gros se prépare. En tout cas, les visages, les mimiques et tout sont superbement bien faites. Hudson et Russell. Oh, je les connais. J'ai même approuvé leur récente mission. Cette menace est réelle ? Oui, monsieur, nous le pensons. Pouvez-vous stopper Perseus ? C'est possible. J'ai d'ores et déjà mobilisé mon équipe. Monsieur, ces demandes sont très inhabituelles. Et sans doute illégales, si la presse découvre tout non, ça... Mais qu'est-ce que vous racontez ? Vous savez qui on est ? Chacune de nos missions est illégale. Sergent Woods. Notre activité repose sur la notion de déni plausible. Ah là. On veut empêcher une attaque sur les hommes et les femmes du monde libre. Donnez tout ce qu'il veut à Monsieur Adler. Messieurs, vous avez une mission importante. Protéger notre mode de vie lui-même d'un immense danger. Aucun devoir n'est plus important. Aucun honneur n'est plus grand. Peu de gens connaîtront votre rôle. Mais soyez-en sûrs. Le monde libre tout entier en bénéficiera. Je sais que vous n'échouerez pas. Cinq semaines plus tard. Ici Hudson. Hudson, est-ce qu'ils ont déjà commencé ? Ça devrait plus tarder. Adler est à Berlin-Ouest. Il devrait bientôt arriver à la planque. Tu lui fais confiance ? C'est pas à moi qu'il faut poser la question, Black. Et pour son équipe ? C'est un bon groupe. Il a trouvé Sims et Azoulay. Il a même obtenu du MI6 qu'on lui prête Ellen Park. On devrait bientôt leur ajouter Mason et Woods. J'ai des doutes concernant Park. Adler et elle ont déjà travaillé ensemble. Alors il la veut dans l'équipe. Et la recrue ? Belle, je préfère pas en parler. On a intérêt à rester vigilants. Bon, préfère agir à l'avant. Ouais, allez hop. Soyons fous. Voilà, mon profil personnel est fait. Ça va chier. Belle, bienvenue à Berlin-Ouest. On doit faire notre boulot. Adler. Belle. Au boulot.
On capte de plus en plus de discussions chez les Russes depuis 48 heures. La CIA et la Défense contactent leurs sources pour en savoir plus. Mais pour l'instant, aucune piste concernant Perseus. Le MI6 aussi est rentré les mains vides. Faut bien commencer quelque part. On va retourner ici, au Vietnam, en 1968. On avait pour ainsi dire frôlé Perseus. Mais merde. Au fond de moi, je savais qu'on n'en avait pas terminé avec cette mission. Sors tout ce qu'on a sur l'attaque de Da Nang et montre ça à Park. Elle croisera nos infos avec le MI6. On cherche des noms de code, des transmissions cryptées, des activités russes en lien avec la NVA. Tout ce qui pourrait être une piste. Compris. Belle, c'est à toi de jouer. Je voulais les meilleurs éléments de la CIA pour le SOG. Et c'est pour ça que j'ai de nouveau fait l'appel à toi. Approche-toi du tableau. On va retracer nos pas dans Da Nang. On trouvera peut-être des indices sur Perseus. Allez, utiliser le tableau d'épreuve pour sélectionner la prochaine mission. Rejouer les missions précédentes, respecter l'épreuve. Lorsque vous voyez cette icône, l'épreuve est disponible pour vous aider à votre prochaine mission ou autre. Ok. Ouais, c'est tout du truc à lire. Et ici, une nouvelle preuve encore. Mission suivante, Fracture Jaw. Donc on va faire la mission suivante. Et après, on arrêtera là donc pour cette vidéo découverte. Ok, Belle. On retourne au Vietnam. La première fois qu'on a entendu parler de Perseus, c'était fin janvier en 68. On avait combiné les forces de la CIA et du SOG au sein du 3e régiment de Marines près de Da Nang. Le SOG était là pour flairer les Soviétiques. On racontait que des agents russes opéraient dans la région. Perseus n'avait pas de présence établie au Vietnam. Ça a changé à Da Nang. Perseus a appris l'existence de l'opération Fracture Jaw. Fracture Jaw. Ça avait bien dérapé. Ouais, jamais j'oublierai ce truc. Bien, on a besoin de ces souvenirs. Aucun détail n'est insignifiant. Les visages, les noms. On cherche tout ce qui pourrait nous conduire à Perseus. Ouais, c'est comme une aiguille dans une botte de foin. Peut-être, mais l'aiguille vient quelque part. Souvenez-vous, on avait une mission. Fracture Jaw ? Ça avait bien dérapé. Belle ! Faut se réveiller. C'est le moment. Allez, vas-y, mets-la dans le mille. Bienvenue pour une nouvelle journée au camp Askin, c'est notre petit. Va décider de toi, hein. Cette putain de tempête de merde. Ouais, c'est ça, tu n'es pas obligé. Tu crains rien ici. Hey Butcher, et ton bras? La douleur est horrible, mais au moins je peux bouger. Elle est super jolie. Hein. Hey Sims, tu sais que tu vas finir aveugle à force de lire ce truc? Ouais. C'est pour ça que je veux tout retenir. Belle, avec Sims, vous formez une bonne équipe d'habitude. On a une nouvelle mission. FOB 4 Ripcord détient un colis important que Charlie veut pour lui. De quel genre de colis est-ce qu'on parle au juste? Le genre qu'on doit pas connaître.
Ripcord a pris un sacré coup sur la tranche. Alors c'est à nous de trouver le colis et de foutre le camp. Du calme, on aura des avions de combat en soutien aérien pour cette mission. Ça sera une partie de plaisir. Mettez les casques. À tous les appareils au rapport quand vous serez prêts. Badger 9-1, prêt à partir. Badger 9-2, prêt à y aller. Badger 9-3, paré au décollage. À tous les avions, décollage immédiat. Go, go, go. Tout le monde a décollé. Vous êtes assis comme il faut. Oh merde, Adler. Oh, j'ai l'impression que tu vas nous annoncer une mauvaise nouvelle. Parce que t'es malin, Sims. Mais c'est pas si mauvais, et ça pourrait même être très très bon. Le collier Ripcord va devoir attendre encore un peu. On va se séparer de l'armada pour un détour. Et en quoi c'est une bonne nouvelle? On nous a averti de la présence d'un poids lourd en ville. Il est magnifique. Le nom de Perseus. Oh merde, j'apprécie l'enthousiasme, Sims. Si la source dit vrai, on pourrait trouver une mine d'or de renseignements. La première fois qu'on a entendu parler de Perseus. L'approche du village. Bien reçu, je vais établir une zone d'atterrissage. Un lance-roquette. Choc 2, allumez-les. Là, dans le clocher. Oui, Bobo.
deux ans qu'on me fout. Comme chercher une aiguille dans une botte de fond. C'est mieux, je dirais, que dans la, que la première fois sur la PS4 Pro. Hein. Adler, c'est confirmé. Les Russes sont là. C'est sûr? Les deux corps que je regarde n'ont vraiment pas l'air vietnamiens, en tout cas. Belle, vas-y, prends le registre. On va voir avec qui ils discutaient. Mission accomplie. On a les infos. On se tire. Bravo, lâchez pas les infos. On arrive pour vous ramener. Ok, on va rejoindre l'armada et mettre la main sur le colis. Et c'est reparti. Comment car on a décollé. Des viettes partout dans la montagne. Aucun civil. Volonté. Allume les mecs. Vite les cabanes. Oh là là. Mais les décors, ils sont magnifiques. Putain. Là, j'ai pas géré du tout. J'essayais de trouver le bouton pour monter en altitude et je me suis gouré. J'ai pas fait gaffe à l'hélico. Des viettes partout dans la montagne, aucun civil. Feu à volonté. Allume les bêtes. Vise les cabanes. J'avais eu plus facilement sur PlayStation. Là, j'ai mis la même difficulté. Oh là là, mais regardez moi ça, ces explosions, franchement. Franchement, elle est magnifique. Hein. C'est super bon. Bien fait. Wow. Passerait presque ton temps à balader et à admirer les décors. On les tire, mais...
ravitaillement, ce sont eux qui arment l'ennemi. Ah, c'est la petite gâchette pour monter et descendre. Discord, ici Badger 9-1. Il faut que vous repoussiez les renforts des miennes, sinon on va être submergé. Merde, c'est pas... On a plusieurs appareils en vol. Attention à ne pas les toucher. L'ennemi se sert dans la folie. On n'a pas la moindre chance de se poser tant qu'on les aura pas éliminés. Allumez-les. Il est où? Badger 9-1, nos éclaireurs ont repéré de nombreux ennemis qui approchent par le sud. Déviez pour interception. Bien reçu, Ripcord. Perseus était au courant. Sims, Belle, tout va bien? Ouais, ça va. Belle, arrose-les avec la tourelle avant qu'on soit submergé. Allez, putain, la charge. Ils
Oh punaise, c'est le nom de Dieu. Belle, toujours avec nous. Ça te dégomme. Qu'on peut parler de victoire, Sims. Au moins la bombe a pas pété. Mais surtout, on a des infos sur Perseus. Je t'avais dit qu'on avait une mission, et on n'a pas fini, loin de là. Quatre heures plus tard, un petit succès. Comment s'est passé l'exercice de mémoire ? Bien, on croira de l'heure. Ça fonctionne. Tu vois les renseignements cryptés. Bell les avait vus au Vietnam et a presque fini de les décoder. On y a trouvé quelque chose ? Quelques noms, apparemment. Des pistes possibles. Park essaie de trouver un lien dans tout ça. On n'a pas beaucoup de temps. L'équipe est au courant du petit incident à Berlin. Non, mais s'il le relie à l'un des noms que Bell a trouvé, ils vont vite comprendre. Mais ça n'arrivera pas, Hudson. N'en dis pas plus que le strict nécessaire. C'est pas le genre d'erreur que je ferai. On a fini d'analyser les noms obtenus par Bell à Danang. Il y en a un qui sort du lot. Anton Volkov. C'est un trafiquant d'armes russe qui travaille à Berlin-Est. Pour tout avouer, ses liens avec Perseus sont surprenants. On a pour ordre de tuer ou capturer Volkov. Si on peut pas trouver Perseus, on cherche ses hommes. On lui coupe ses ressources. On le force à se montrer. Mason et Woods terminent ce qu'ils ont à faire à Kiev. Ce qui veut dire que Volkov est pour nous. Équipez-vous, et on y va. Voilà, voilà les amis, je vous propose qu'on en reste là pour cette vidéo découverte donc sur Call of Duty Black Ops Cold War sur Xbox Series X. J'espère que ça vous a plu, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à lâcher le petit commentaire qui fait plaisir et je vous répondrai. Et je vous donne... Qu'est-ce qu'il a regardé ? Il me regarde en admiration avec un gros sourire. N'hésitez pas, c'est Coco Gaming qui est en train de me regarder là. Il voulait me faire rire, donc voilà. Oui, oui, c'est ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, jouez bien, prenez soin de vous surtout. Ciao, ciao.